Yo tout le monde, c'est Nanaki, et donc on se retrouve sur Warrock FPS en ligne en compagnie de Brichot, comme vous le voyez à l'écran. Salut. Donc voilà, pour une map en survival vs zombie, donc la AI, sur la map Day One, qui est la reprise de Maria en mode apocalypse zombie. Bon, vous pouvez le voir aussi à l'écran, je ne suis que level 2, Brichot level 1. Donc je sais pas si ça va voler très haut, mais bon, on verra bien. Il y a pas longtemps aussi. Ouais, bah perso, toi t'as commencé avant-hier, et moi j'ai commencé il y a une semaine. Non, hier moi, hier. Non, avant, hier. Ouais, hier. Ok. Donc voilà, 0.308 de ratio pour Brichot, et moi je suis à 0.453. Donc ça vole pas très haut. Non. Mais bon, ça va venir, ça va viendre. On lance la map, c'est parti. Je pense qu'on est chaud. Ouais. Ok. Donc voilà. Qu'est-ce que dire? Là, on va se retrouver avec un choix entre 5 classes. Je vais pas vous expliquer plus le fonctionnement du jeu. Je ferai sans doute une vidéo présentation plus tard. FPS, tu sais. Ouais. Alors, même médic, bon. Ingénieur. Ouais, ingénieur, médic, sniper, assaut, heavy trooper. Perso, pour le zombie, je prends heavy trooper. Parce que bon, au niveau stuff, j'ai micro Uzi MP5K, deux lance-roquettes. Donc, c'est ça qui fait la différence. Et Félix joue plus le assaut, je pense. Ouais, assaut, là j'ai pris assaut. Ok. Donc voilà, on se retrouve dans cette map. Pour ceux qui connaissent pas, on a ici le médic, donc pas très loin du spawn. Et donc pour ceux qui veulent jouer, et le assaut, enfin le assaut. Ce qui permet de récolter les ammo, c'est ici. Donc les ammo, c'est les munitions. Donc là, c'est la wave 1, où on se partage à peu près les kills. Moi j'y vais au couteau, hein, parce que c'est des noobs. Voilà. Je donnais quelques coups de couteau et il meurt. Hop. Voilà. Bon, là c'est les wave 1, donc c'est des petits zombies de merde. Bon, on va très vite arriver à la wave 5 où ils sont beaucoup plus. Beaucoup plus gros. Le record quand on aura perdu, c'est ça? Non, je pense que si on arrive à aller relativement loin, je ferai sans doute plusieurs records. Ouais. Laisse-moi celui du fond. Putain, je t'ai dit, laisse-le moi. Lui, je le prends. T'es sérieux? Ouais, je suis sérieux. Une dernière. De toute façon, tu peux pas me tuer, donc c'est bon. Voilà la première. La première vague terminée. Ouais, vague et voilà. Bon, le bah voilà, Brichot en tête avec 21 et moi derrière à 19. 9, ouais, pardon. Bon, c'est ça de jouer au couteau, tu vas me dire, hein, mais bon. Ouais, bah joue à l'arme. Ah, bah, regarde, en parlant de gros, qu'est-ce qui vient d'arriver? Un gros. Alors, okay. Pour les gros, au niveau lance-roquette, hein, pas de pitié pour eux. Est-ce que ouais, ils ont des noms, les différents types de zombies? Bah évidemment, ils ont des noms. Genre Madman, Maniac. Ah, il est pas mort. Je sais pas combien de... Ah bah voilà, j'ai tué un gros, je suis content. Donc pour ceux qui connaissent pas trop la map, ici c'est la tourelle de défense qui va sans doute bien nous servir un peu plus tard. Ouais, contre les chariots. Ouais, les gros. Ouais, contre les chariots, parce que eux ils sont vraiment super relous à boomer. Voilà, bah, le but c'est de vraiment tuer le plus de zombies possible, de survivre le plus longtemps possible. Donc après, bah, il y a différentes techniques, hein. Par exemple là, vous voyez, c'est de shooter sur les barils pour faire exploser les barils. Ensuite. Je trouve ça cool qu'on fasse sur d'autres jeux, tu sais, que autre Minecraft. Ouais, c'est pas mal. Puis ça fait un peu de détente, quoi. Enfin, c'est pas. Ouais. On se prend pas trop la tête en plus dessus, c'est marrant. Donc. Bah après, on pourrait faire sur d'autres jeux, je pense. Urban, tu vois, on pourrait présenter. Non, je pense que non. Bah déjà moi Urban, je peux pas parce qu'il veut pas les records. Ah merde. Bon. Il me fait le même problème que Minecraft en full screen, en fait, il veut pas me le prendre. Ouais. Alors que là, quand je faisais des vidéos sur Grand Fantasia, ça me le prenait en full screen. Là, ça me le prend en full screen, donc c'est pas trop compréhensible. Là, ouais, nouveauté, bon. On se retrouve avec eux, là, les bien relous, avec un bout de bois dans la main. Ouais, c'est des Wolverines. Et avec des mini Wolverines. Bah, mini, ils sautent. Ouais, ils sont relous, ils bougent partout, donc c'est chiant à les tuer. Ouais. Et les Madame Zombie. Donc Madame Zombie, elle explose. Voilà. Bon bah là le but c'est de bouger un peu tout le temps et puis de tirer en espérant tirer sur des ennemis. Pour qu'on s'en sort plutôt pas mal. Ouais. Le but par contre c'est tout le temps bouger parce que si vous êtes statique, vous mourrez, hein, c'est obligatoire. Hein. Par exemple Brichot qui est un peu très statique, il meurt assez souvent. Parce que j'utilise le viseur donc voilà. Et justement il faut pas utiliser le viseur. Ouais, mais pour moi, contre les Wolverines, c'est plus simple pour les shooter. Tu m'as sauté au-dessus, hein. Moi, j'ai sauté ta copine.
C'était nul ça, Grégoire. On fait ce qu'on peut. Je suis sûr que je suis repassé devant toi, non? Oh, même pas. Je suis deg. Tu veux de l'aide? Bientôt plus de bug. Wave bientôt terminé. Bah j'ai les derniers, je pense. Ouais, je pense que j'ai le dernier. Où est-ce qu'on peut le voir quand les waves? Et voilà. Quand tu quoi? Tu le sais où quand c'est bientôt fini les waves? Tu le sais pas. C'est qu'on. D'accord. Tu commences à avoir de moins en moins de zombies. Dès que ça spawn plus, tu sais que t'approches de la fin. Ouais, en fait. Ça, je sais, mais bon. Il devrait le prévenir, tu sais. Mais je pense avant il y avait un truc comme ça, hein. Il y avait un truc où il marquait le nombre de zombies restants à tuer. Ouais, mettre le nombre de zombies, ce serait plus sympa. Là. Donc là on est à la wave 4. Notre corps c'est wave 9. Ouais, je suis pas encore moi. C'est bien. Avant Félix mou Félix. Ouais, c'est ça. Brichot mourait à la wave 3. Faut le dire aussi ça. Si tu veux. De toute façon trop tard c'est dit donc même si je peux pas. Ouais, pire. Couteau. Attention, ouais. Voilà. Bon bah. C'est quand on parle du truc qui arrive. Hein. Ouais, Bricho vient de mourir sous nos yeux en plus. Allez bim. Bah on peut expliquer comment on revit en fait. C'est quand la. On revit quand on a gagné la wave. Quand ouais, la wave est finie, vous revivez. Les morts ils revivent. Mais si tout le monde. Moi je veux rien dire mais j'ai pas encore. Oh merde. Oh j'ai pris cher là. Mais tu vas bientôt mourir. J'ai pas encore utilisé Ah bah je viens de le faire. J'allais dire j'ai pas encore utilisé d'arme principale mais. Ouais c'est... tu viens de le faire. Bon. Fais attention à ta vie quand même. Moi je gère. T'inquiète, easy pépère. La dernière fois de 17 est mort. C'était la dernière fois. Ah. Gan, ils sont tous bien agglutinés là. Ouais. Voilà, ils vont tous bien mourir. Hop, un petit coup. Utilise leur roquette, hein, du coup. Oh, lui pas besoin, lui j'ai fait roquette. Il me reste 7 balles. Je crois que la vidéo va durer assez long, bizarre. Je les utiliser. Oui, 20 minutes. Oh là. Oui, oui. Oh. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, je suis bloqué. Non, j'étais bloqué. Mais non. Non. Oh non. Ah, je suis deg. Est-ce qu'on en refait une ou pas? Ouais, bah on va clôturer la première vidéo là, hein, je pense. Bah regarde combien de temps t'es et puis si c'est pas assez, bah on. Non, je vais checker, donc je fais une pause et je check. Ouais, donc je pense que ça fera une bonne petite vidéo. Et bon on va en faire une très vite sur une autre map je pense, hein. Ouais donc voilà, donc on se retrouve très vite pour une deuxième vidéo sur une autre map. Allez, tchuss, bye bye.